Hello, hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc j'ai fait ma bougie pour me remonter le moral. C'est des bougies que je fais moi-même. J'ai mis un peu de gaieté autour de moi. Alors, je vais allumer ma bougie. C'est une bougie protectrice que je me fais. Là, j'en ai fait. J'ai récupéré un récipient d'une autre bougie. Et ça, c'est les bougies que je fais. Il y a une dame qui m'a demandé une bougie bleue. Je n'ai plus pour l'instant de pigment bleu. Et il me reste que la jaune. Et c'est une bougie protectrice. Et ainsi que celle-ci aussi. Elle est protectrice. Voilà, ça donne ça, quoi. C'est pour vous dire. Donc, pour ceux qui veulent des bougies, il n'y a pas de souci. La dame, elle m'avait envoyé son adresse aussi. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller me renseigner à la poste pour pouvoir l'envoyer. Et il faut, si vous pouviez me renvoyer un mail, et alors, parce que je reçois des centaines de mails, et ça prend du temps pour moi aller fouiller dans tous les mails que je reçois. Si vous pouviez me renvoyer un mail, parce que je sais que vous m'aviez demandé celle-ci, mais en bleu, et je n'ai plus de pigment bleu pour l'instant. Voir un peu si celle-là vous intéresse ou pas. Voilà. Alors, la question qui me turlupine maintenant, on a parlé du Pigasus, l'application espionne et l'application qui espionne Macron aussi via le Maroc. Alors, je suis curieuse et on va voir ce que ça va donner pour Macron. Alors, je vais me faire de la place. Je vais me faire de la place. Et on va voir avec le tarot des anges de quoi nous parle, qu'est-ce qu'on va découvrir sur Macron avec avec Pegasus. Puisqu'on nous parle de révélation qu'on va voir. Alors, on va voir concernant Macron. Qu'allons-nous apprendre avec Pegasus? Ça va sortir, hein. De toute façon, il y a des révélations qui arrivent. Donc, on va voir pour Macron ce que Pegasus va révéler. Mis à part le fait que déjà, il envoie des SMS où il traite le peuple français comme de la merde. Alors, Macron. Qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre qu'il va signer une rupture, puisque nous avons le 5 d'eau. Le 5 d'eau. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Les choses ne se passent pas comme prévu. Ah, une rupture pour Macron. Allez, on va voir quoi d'autre. Nous avons la carte des illusions ou alors des émotions, puisque la lune, non, ça nous parle aussi d'une femme aux alentours ou de la maman. Alors, donc, il y a une rupture, peut-être avec Brigitte. On va voir. Concernant Macron, Emmanuel Macron, il est né au mois de décembre. Attendez que je retrouve sa date de naissance à celui-là, que je note mes tirages. Où est-ce qu'il est Macron? Alors, il est né le 21 décembre. Vous voyez, j'écris tous mes tirages, hein, et je note toutes vos questions à chaque fois. Donc, il est né le 21 décembre 1977 à Amiens, France. Alors, concernant Pegasus, qu'est-ce qu'on va apprendre pour Macron? Alors qu'il y a une rupture avec une femme dans son entourage et ça concerne le sentimental. La lune représente la maman. La maman ou une femme âgée dans les ans alentours, hein. Alors, les choses ne se passent pas comme prévu et on nous parle de perspectives psychiques importantes. Des événements ont lieu en coulisses. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on va découvrir concernant Macron avec cette application Pegasus?
qu'il a une rupture déjà avec une femme. Ça peut être la maman, comme ça peut être Brigitte, hein, parce qu'ici, on nous parle de d'émotions et de sentiments. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va découvrir avec Pegasus sur Macron? Macron qui est né le 21 décembre, Emmanuel Macron, 21 décembre 1977 à Amiens, France. Alors, quoi d'autre? Les cartes cherchent. On en a plusieurs là. Allez. On nous parle de que la roue tourne, fin de cycle et début d'un autre cycle. On nous parle de 4 d'épée, prise de tête, l'heure est venue de vous reposer et de vous retirer du jeu. Et on a une prise de décision avec l'as d'épée. Début, une obligation pratiquement de prise de décision pour Macron. Alors on va voir ici en dos-deck, on va venir recouvrir avec les autres. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va. On a le 5 d'air. Hein. C'est encore, ça tourne autour des signatures, là aussi, encore une fois. Ici, signature de rupture avec une femme de son entourage. On nous parle de fin du cycle avec la roue de la fortune, de changement, donc de période de changement par rapport à cette femme. Et on a le 5 d'air, le 5 d'épée qui lui vous dit de tirer des leçons. Alors, on a la prise de liberté, donc il va reprendre sa liberté. On a des nouvelles qui vont arriver de façon soudaine. Volonté de passer à autre chose. Et on a le 4 de feu qui, lui, nous apporte, le 4 de bâton apporte stabilité dans le travail. Et ici, on nous dit une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Eh bien, contentement et abondance, hein. Ensuite, on a le 6 de denier qu'on lui dit que les dons se transforment en argent. 8 de denier qui nous parle d'un travail hautement qualifié. Et le cavalier d'épée qui lui vient encore apporter des nouvelles concernant des doutes au niveau financier. Suivi de la carte la 16, c'est laquelle encore? Le 15, c'est le diable. Je ne sais plus. Bon, bah, ici, on nous parle d'expérience de vie et on nous dit qu'un événement important fait éruption dans sa vie. Grâce à Pegasus, on va apprendre des nouvelles sur la vie privée de Macron. Allez, on va voir avec la triade. Qu'est-ce qui vient nous compléter? Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre par rapport à Pegasus sur Macron? Alors, on a la carte des mensonges. Alors, Cain, erreur, erreur sur ce 4. Oh merde, je fais tomber mon 9. Zut, voilà. Hop. Je fais de la place pour essayer de vous montrer toutes les cartes. Alors, avec la triade, au niveau des signatures, au niveau émotionnel et affectif, on nous dit que les choses ne se passent pas comme prévu et qu'il y a des erreurs. Ensuite, la lune représente le féminin, les choses cachées, l'émotionnel, les illusions. Ici, on nous parle de perspectives psychiques importantes et d'événements qui ont lieu en coulisses. Et on nous parle de mensonges. Et on a une date qui est le mois d'avril. Donc, des mensonges par rapport à un fin de contrat émotionnel, affectif, au niveau du mois d'avril passé. Donc, on nous parle de faire un tri dans son entourage et on lui dit que c'est une erreur et qu'il y a beaucoup de mensonges. Oh, ben, décidément, les cartes, elles parlent. C'est les mêmes qui reviennent de tout à l'heure. Alors, concernant à la roue de fortune, qui elle nous annonce un changement, et on nous dit fin de cycle, encore une fois, la roue de fortune, c'est les choses changent et on est arrivé à la fin d'un cycle.
Ensuite, on lui dit de se reposer, de se retirer, de ne pas perdre son énergie par rapport au retour d'une situation ou d'une personne. Donc, erreur, mensonge et fin de retour. Ou alors fin de mensonge. Et ici, on nous parle de début, vu qu'il a une prise de décision qui va, on va apprendre quelle décision. Il a un début et c'est avec l'as d'épée, c'est une décision à prendre. Ensuite, des choses cachées. Des choses cachées, des choses qu'on ne sait pas encore et on nous parle d'erreur. On nous parle de mensonge et ici on a de nouveau le retour de la femme. Alors des choses, ou alors il a une maîtresse, je ne sais pas, mais je l'aurais toujours cru qu'il aimait les hommes, lui. Alors, on nous parle de fin d'amour ici. La roue tourne, c'est fini, on change d'amour. C'est ce qu'on va apprendre concernant Macron. Alors, la 4DR qui lui dit de se retirer, de ne pas perdre son énergie. Le 4DR représente les épées, les prises de tête. Et on lui dit par rapport au retour à l'argent, par rapport à un retour de situation qui va peut-être lui ramener de l'argent. Ici, on nous parle de choses qu'on ne sait pas encore. On nous parle d'une femme ou alors on nous parle d'une femme qu'on ne connaît pas encore. On nous parle de la fin d'histoire d'amour, et ici on l'a, puisque c'est la rupture, et on a la carte de l'abondance. Ben, maintenant, peut-être que c'est fin d'un amour, fin d'abondance de sentiments, hein, peut-être qu'il recevait de la part de cette femme mystérieuse. Alors, on nous parle d'épreuves. Il a des décisions à prendre et c'est le début des épreuves. Alors ici, on nous parle de purification avec l'eau. Et c'est bizarre puisqu'on a deux cartes d'eau. Donc, fécondité, créativité, purification avec l'eau. Nous avons la carte de la lune qui nous parle de la maman. Et quand même, lui, il a une femme qui pourrait être sa mère. Donc, on nous parle de rupture. Et ici, on nous parle de mensonges qu'il y aurait eu au mois d'avril. On nous parle encore une fois d'une femme mystérieuse, mais avec qui il y aurait une rupture. Et on nous parle de désert, donc de choses inutiles. Purification au niveau de choses inutiles. Alors, fin de cycle, fin d'amour, et on nous parle de réussite par rapport à cette rupture. Ensuite, retour aux croyances, on lui dit de se retirer par rapport à une situation qui voudrait revenir et qui nous parle d'abondance de croyances, puisqu'ici on a la carte des prières. Et là, on nous parle avec l'as d'épée, qu'il y a des choses qui vont être. C'est une prise de décision, c'est de la paperasse. Et on lui dit que c'est le début des épreuves pour lui. Donc, tout ça, on va l'avoir avec Pegasus, hein. On va avoir les secrets de Macron avec Pegasus. Donc, il a la fin d'une histoire sentimentale avec une femme mystérieuse ou une fin de relation avec Brigitte et qui n'est pas dévoilée pour nous, simple petit mortel. Puisqu'ici, là, quand même, il a la rupture avec la maman, hein. La maman, c'est une femme plus âgée, c'est une femme dans les environs et on nous parle que cette décision aurait été prise. On a fait le nettoyage dans son entourage au mois d'avril. Et on nous parle de cette femme inutile ou stérile. Allez, celle-là, elle est tombée. Ah, ok, d'accord. Alors, ici, avec l'as d'épée qui nous parle de nouvelles idées et inspirations ici, mais qui nous parle de vérité qui se profile derrière une situation et un début difficile. Je vous avais dit, il a une prise de décision. Ici, on a encore une fois confirmation, quelque chose qui commence et il a la carte des épreuves. Et là, on vous dit,
malheur, malheur, mais dans son malheur, il y a quelqu'un qui va venir l'aider. Allez, on va voir ici en dos de deck de quoi on nous parle. On nous parle d'informations qu'on va avoir. On nous parle de partenaires en qui il a confiance. Donc, on va avoir ces informations par rapport à des messages qu'il a envoyés. Et depuis un certain temps, on nous parle d'élévation des énergies ou d'élévation énergétique par rapport à ces messages. On nous parle de doute par rapport à la science. Et on a la carte de l'action et par rapport ou à la médecine, parce que ça représente quand même la médecine, hein. Et ici, on a la carte de l'équilibre avec le yin et le yang, mais ça pourrait nous dire aussi, nous informer qu'on passe à l'action par rapport à la médecine. On a la carte de la paix et des nécessités par rapport aux adversaires. On nous dit qu'il va demander pardon. Waouh! Et si on nous parle encore de circulation sanguine, hein? Donc on a un blocage. On lui dit de ne pas rester bloqué sur le passé. Allez, on va voir Pegasus déjà, elle va nous dévoiler pas mal de choses. Enfin, à vérifier, hein? Toujours à vérifier, parce que je n'ai pas comment dire, la science infuse, donc à vérifier, mais on va apprendre qu'il y a une rupture avec une femme. Maintenant, ça peut être sa maman, comme ça peut être Brigitte. Mais ici, on nous parle d'une femme mystérieuse qu'on ne connaît pas encore, et il y a la fin d'un amour, fin de cycle, fin d'un amour, et avec une belle réussite. Ici, on a la purification par rapport à quelque chose d'inutile, par rapport à apparemment cette femme qui ne servirait plus à rien. On nous parle de réussite par rapport à cette abondance de croyances. Et on nous dit que quand même, il y a une tierce personne qui va venir l'aider dans ces moments difficiles. Et vous voyez, là, on va vers le futur, hein. Donc, on va apprendre énormément de choses sur Macron, hein, avec Pegasus. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs ce que si lui vient nous donner une saison, une période de l'année. On va voir, on va voir. Concernant Macron, qui est né le 21 décembre 1977 à Amiens, et les découvertes, vu qu'il est espionné par Pegasus, on nous parle de purification au niveau des étrangers. Allez, on va voir. Ou par rapport, une purification par rapport à cette femme qui l'aurait aidé, parce qu'on nous parle d'étranger, quelqu'un extérieur à. Et comme on est dans le mystère, là, on est dans le flou, on nous parle de purification. Donc, on va voir un peu ce que le tirage nous dit encore. Une puration ou une rupture qui serait une erreur pour lui par rapport à toutes ces choses qui sont cachées. On nous parle de purification et peut-être venant de l'étranger, hein, puisqu'on nous parle du Maroc, hein, quand même. Alors, ici on en a une autre. Voilà, fin d'amour. Ouais. Donc c'est Brigitte. La lune représente la maman, hein. Une femme plus âgée, ou alors c'est sa maman. On nous parle d'une période de avril avec la carte du mensonge. On nous parle encore de cette mystérieuse femme qui serait stérile ou que ça serait un amour à sens unique, platonique, un amour étranger. Alors on voit. Ici, on nous parle de fin de cycle, fin d'amour, réussite par rapport à la famille. Donc, peut-être qu'il avait une liaison avec une femme étrangère et peut-être qu'il a mis stop à sa liaison avec cette femme étrangère. Mais on va le savoir de toute façon avec Pegasus.
Mais je vous dis toujours, on va vérifier, à vérifier. Donc, étranger, amour, un amour étranger. On a quand même la carte des racines. Hein. Un amour étranger. Et on a la carte de la famille. Ben ici, on a la rupture aussi au niveau de l'amour de la famille. Hein. C'est la fin d'un cycle. Donc, il a cette rupture qui va se faire avec succès pour lui. Fin de cycle pour lui. Et on va voir ici, on nous parle de se retirer d'une situation. On lui dit de ne pas perdre ses énergies par rapport au retour de l'abondance des croyances. Donc là, j'arrive pas à comprendre, mais on va peut-être savoir plus tard quand ça va sortir, puisque c'est pas tout de suite, hein, ça va pas sortir tout de suite. Alors ici, on nous parle d'abondance de croyances et de retour de situation, et on lui dit de se retirer de cette histoire. Ici, on nous parle de trahison et de déplacement, donc par rapport à de l'espionnage aussi, hein. Alors, début de décision, paperasse difficile, on nous parle d'épreuve, une personne va venir l'aider ou l'espionner. Une personne qui va peut-être se montrer qu'elle est là pour l'aider, mais au contraire va l'espionner. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? On va prendre celle-là. On va voir ici en autre deck ce que ça nous dit par rapport à Macron et ce fameux truc de Pegasus qui l'espionne. On nous parle de distance. Donc, il est espionné à distance. On nous parle de chance à propos de la maladie. Et on nous dit qu'il a un échec. Un échec par rapport à des accusations. Et on a encore de nouveau cette carte de retour de situation qui évoluerait par rapport à un nouveau projet. Et on a quand même la loi, hein, et un contrat avec la loi. Maintenant, c'est peut-être par rapport au changement de loi. On nous parle de tranquillité par rapport. Donc, et ça va être officiel, donc. Ça va être officiel. Et on nous parle de tranquillité par rapport à la séparation. Et on nous parle d'argent concernant le foyer, sûrement son argent. Il va trouver des accords, il va négocier et il va protéger son argent. On nous parle d'instabilité dans le futur par rapport à cette jalousie. Oh, allez. On va voir avec les cartes divinatoires des sorcières ce que et après j'arrête le tirage. Par rapport à Pegasus, c'est ce qui va nous révéler. Donc on va peut-être nous révéler que Macron divorce. Je n'ai pas la carte de la mort hein, ici. C'est la fin. C'est la fin, la purification d'une situation sentimentale. On en a plusieurs qui sont tombées. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est la dernière qui nous parle d'apprentissage et de zèle. Hop, on va voir. Par rapport à cette purification qui se fait au niveau étranger, on nous parle de situations qu'on ne connaît pas encore, où on est encore dans le flou, mais on nous parle de purification. Et là, on nous dit qu'on est dans l'attente et que c'est pas encore, on a du retard sur les révélations qui vont arriver. Alors ici, par rapport à sa maman ou à Brigitte, on nous parle de mensonges par rapport à une femme. Ici, on nous parle de stérilité, donc c'est pas de sentiment. Et on nous parle d'amour, donc d'amour stérile ou d'amour à sens unique. On nous parle ici d'amitié et de fidélité. Ça se corse. Alors, fin de cycle. On finit cette relation d'amour avec succès, mais il y a la carte de la famille. Et là, on nous dit éloignement de la famille, abandon.
Alors, concernant Macron et les révélations au niveau de Pegasus, on nous parle de carrière, trahison au niveau de la carrière. Et ici, on nous parle d'abondance de croyances et on lui dit, on lui conseille de se retirer d'une situation et de ne pas y retourner. Il y avait deux cartes hein, qui nous le disaient, je crois qu'en d'autres decks. Ensuite, il va avoir une décision importante à prendre et il a deux cartes de début qui lui annoncent des épreuves difficiles à passer et il va avoir, on nous parle avec la carte du malheur, il va quand même avoir l'aide d'une personne qui va l'espionner. Puisqu'ici, on n'a pas seulement la carte du déplacement, hein, on a la carte de la personne qui prend de la hauteur pour mieux voir. Et là, on a les événements et des occasions vont se présenter de dévoiler ou de l'espionner encore plus. Bon, voilà, je vais m'arrêter là par rapport à Pegasus et à Macron. Et je vous dis à bientôt avec un autre sujet. Et je vous embrasse tous bien fort. N'oubliez pas de liker, partager et de commenter. À bientôt!